Salut à tous, morceau complet. C'est une adaptation d'un morceau qu'on trouve sur un album de Robert Cray. Morceau qui est joué, en fait, où Robert Cray joue un petit solo de guitare et puis il fait la rythmique, mais l'essentiel du thème est joué par un orgue. Donc là, des parties mélodiques. Les parties mélodiques sont jouées par un orgue. Voilà, c'est une adaptation. Alors le truc, on l'aura compris dans ce morceau, c'est la pulsation à la noire. On marque les noires tout le temps, que ce soit la basse à vide avec le pouce, qu'il faut maintenir même quand on joue le thème. Dans l'aigu ou dans le grave. On a toujours cette basse jouée avec le pouce, ça il faut le travailler lentement. Et on a ces accords. Il y en a 4, il y en a 2, ça dépend de l'endroit dans le morceau, mais donc en fait c'est un Do 9 et un Si bémol 9, donc du coup on ne joue plus l'index parce qu'on a l'accord de Ré à vide. Ensuite on a ces accords septième. Qui ont un doigté assez particulier parce qu'on a le Ré, enfin la corde grave qui est accordée en Ré. Ça, ce sont des positions plus classiques. On a un Fa mineur 7, du coup, on va jouer avec la basse avec le pouce. On pourrait le jouer comme ça. Je préfère jouer avec le pouce. Un accord de La 13. Sol 7, La 13 et La 7 quinte augmentée. Voilà, les petits trucs, les doigtés particuliers, la pulsation à la noire jouée par le pouce et la coordination de tout ça, c'est le principe de ces morceaux complets. Amusez-vous bien et écoutez Robert Cray, c'est assez chouette, le son bien particulier de la guitare électrique et de l'orgue, c'est assez marrant. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau morceau complet. Salut à tous!